regardez en Bretagne. À Donf, à Donf, Younis, à Donf. Dernier essai. Allez, oh c'est super, Tatiana qui rythme aussi le saut de Younis, c'est un geste superbe. Allez Younis. Ça va être mesuré. Ça va être mesuré, c'est peut-être au-delà de 74. Et si ça l'est, c'est le titre de championne du monde. Quel suspense énorme. Bernard Faure me montre Unique Barber. Oui, Unique Barber, elle est unique Barber. Exact Bernard. Exact. Quel beau saut, il est très très beau, elle efface bien. C'est fait. 6,99, elle est championne du monde. C'est fait. Eunice Barber est championne du monde de la longueur. Oh là 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 là. Oh, écoutez, son record de France est 7,01. Elle se retrouve après 2 ans de galère. Vous savez qu'elle ne pouvait plus marcher presque. Il y a Jackie Joyner qui est là. Il y a Jackie Joyner, il y a tout le monde. Tout le corps français. C'est fabuleux. Dans les bras de Claude Monod, le discret. On l'attendait. On l'attendait à la plateau. On la retrouve à la longueur. À son meilleur niveau jamais atteint, puisqu'à 7,01 m, 6,99 m. Qu'est-ce qu'il faut sortir, Bernard? Qu'est-ce qu'il faut avoir dans les tripes et dans la tête pour être capable de sortir 6,99 au dernier essai? Elle est face à Edmonton, vous vous souvenez, comme elle était triste après avoir raté le lancer du poids. Ouais, je sais, Abdel disait, c'est pas 50 000 spectateurs, c'est 5 millions de personnes qui regardent, il a raison. Et j'ai une pensée pour Tatiana Kotova, et je respecte ses larmes, parce que tout à l'heure, elle a été sublime, elle a également accompagné le saut de Eunice, et absolument, maintenant... Absolument, Patrick, absolument. Je vais vous dire, ça c'est le drame de la compétition, la réussite des uns condamne celle des autres. Ça n'existe pas dans l'art, ça existe parfois dans la société. En sport, c'est poussé à son paroxysme, il ne faut jamais l'oublier. Eunice Barber à 2 cm du record de France, 6,99 pour 7,01. Mais c'est pas très grave, ce qu'elle se souviendra, c'est de cette ovation, de ces 60 000 spectateurs qui vont scander son nom. Jamais sur un concours, elle a été autant poussée. Autant aimée, je dirais, autant aimée. C'est un public... C'est un public de rugby que nous avons enfin dans l'athlétisme là. Oh là 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 là. Tous les athlètes commencent à reconnaître en Eunice. Vraiment, elle a été exceptionnelle. Ouais, ouais. Il faut le sortir. Au dernier essai, Abdel, il faut le sortir ça. C'est une fille exceptionnelle.